Ouais, je sais, t'en as marre d'ouvrir des packs et de rien avoir. Moi, je te propose Suite Royale, t'ouvres des packs, quand t'as du lourd, les crédits sont direct envoyés sur ton compte. What's up tout le monde, c'est Zirko, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, les gars, c'est tout simplement une vidéo sur les SBC, sur les Squad Building Challenge, qui sont disponibles aujourd'hui jusqu'à demain, 1h du matin, si je me trompe pas. Donc, c'est les joueurs avec le numéro 23, comme aujourd'hui, on est tout simplement le 23 décembre. Alors, il y a des joueurs exceptionnels, il y a 3 joueurs, Dani Alves, Emre Can et Arturo Vidal. Franchement, c'est 3 pépites. Par contre, il y a seulement 2 joueurs qui m'intéressent. C'est déjà pas mal, c'est déjà très cher. Emre Can, forcément, c'est la version simple, elle est kiffante. La version SBC, c'est un mini Gullit en première ligue. Et par contre, on a le maître des Gullit. Arturo Vidal, c'est une carte monstrueuse. Je pense qu'elle est même meilleure que Gullit lui-même. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. Je vais essayer de les faire. Et je vais surtout vous montrer les équipes pour les faire. Donc, comme vous pouvez voir, les gars, j'ai 415 000 crédits. Donc, c'est pas mal. Il faut savoir que le SBC de Emre Can est fait. J'ai plus qu'à appuyer sur soumettre. Alors, oui, ce n'est pas l'équipe à faire. Je vous mettrai des screens dès maintenant pour les équipes à faire les moins chères. C'est entre 60 000 et 90 000 crédits. Plus ou moins, c'est selon le marché des transferts, ça peut aller jusqu'à 100 000 crédits, comme ça peut aller à 50 000 crédits, donc ça change. Mais c'est pas non plus, pour Emre Can, 200 000 crédits, loin de là. Donc au niveau des joueurs, j'ai pris des joueurs que j'avais tout simplement dans mon club, j'en ai pas acheté beaucoup. J'ai surtout essayé de caler des joueurs qui sont tout simplement invendables. Gaëtan est invendable, Mahrez est invendable, donc vous allez me dire « Ouais, mais Mahrez, il est chaud ». Je suis d'accord, mais bon, Emre Can... Voilà, Emre Can, c'est Emre Can. Mahrez, voilà, c'est 30 000 crédits, je pourrais le racheter plus tard au pire. Donc j'ai essayé de caler vraiment énormément de joueurs que j'avais déjà dans mon club. Sans mentir, j'ai acheté juste Petr Cech et Otamendi limite pour ce SBC, donc je m'en sors vraiment pas mal. Allez, c'est parti pour le Emre Can, le petit Gullit de première ligue. Donc Emre Can, il a des stats monstrueuses, regardez-moi ça. Le premier qui me dit, mais non, mais c'est pas Gullit. Mis à part le 78 en vitesse et le 72 en frappe, le mec a 80 partout. C'est-à-dire qu'en passe, il est chaud. En physique, il est chaud. En défense, il est chaud. En dribble, il est chaud. En vitesse, il est à 2 du 80. Donc, il est chaud, il est rapide, il est grand. Et même en frappe, les gars, il a une très bonne frappe. Déjà, le simple avait une bonne frappe, mais celui-là... J'ai hâte de le tester. J'ai hâte de faire une équipe autour de lui. Et on va passer maintenant au maître. Alors, c'est la grande question que je me posais. Je le fais, je le fais pas. J'ai 415 000 crédits, est-ce que je le fais? Le seul truc, c'est que les gars, je n'ai pas d'équipe. Je pourrais faire l'équipe, je ne suis même pas sûr. Il vaut entre 400 000 crédits et 500 000 crédits, les gars. Ce qui est quand même assez énorme. Mais le plus douloureux dans tout ça, c'est de faire une équipe avec Neuer, 92 de général, et de, en fait, le jeter à la poubelle comme ça, alors que le type vaut aux alentours de 200 000 crédits. Voilà, il vaut ouais, 200 000 crédits. Pareil pour Arturo Vidal, qui son prix a tout simplement augmenté. On peut voir, c'est du 135 000 crédits pour le moins cher, limite. C'est l'équipe, je pense, la moins chère pour Arturo Vidal, ou l'une des moins chères. Parce que sinon, après... Vous pouvez mettre Leno, par exemple. Vous n'êtes pas obligé de mettre Neuer. Par contre, vous devez mettre Alaba ici. Vous devez mettre Socrates ici. Vous devez mettre donc Thiago. Ce n'est pas forcément le plus cher. Par contre, en buteur, vous êtes obligé de mettre Chicharito en version Inform qui coûte 100 000 crédits. Alaba, c'est 100 000 crédits. Donc, rien que les deux, c'est le prix de Neuer. Sauf que après, vous devez mettre des milieux de terrain, Thiago c'est 7000 crédits, etc. Alors que là, Bender, 82 de général, il vaut 900 crédits. Donc je pense que c'est la moins chère possible à faire, mais je pense pas que je la ferai. Je voulais quand même vous montrer l'équipe que j'aurais pu potentiellement faire. Si vous avez des crédits de côté et que vous voulez Arturo Vidal en SBC, ce que je comprendrais, je pense que cette équipe est la moins chère. Parce que c'est vrai que pour un inform, mettre 20 000 crédits, c'est intéressant. Surtout que voilà, ça nous évite de vendre un petit Chicharito à 100 000 crédits en vente rapide limite. Bref, c'était Derco, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like si ce n'est déjà fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Derco, je vous prends soin de vous. Ciao tout le monde.